près des paniers d'osier de la salle des ventes. Une gloire déchue des folles années 30 avait mis aux enchères parmi quelques brocantes un vieux bijou donné par quelque amour d'antan. Elle était là figée, superbe et déchirante. Ses mains qui se nouaient, se dénouaient tremblantes. Des mains belles encore, déformées les doigts nus. Comme sont nus parfois les arbres en novembre. Comme chaque matin dans la salle des ventes. Bourdonne est une foule fiévreuse et impatiente. Ceux qui pour quelques sous rachètent pour les vendre des trésors fabuleux d'un passé qui n'est plus. Dans ce vieux lit cassé en bois de palissandre que d'ombres enlacées ont rêvé à s'attendre. Les choses ont leurs secrets, les choses ont leurs légendes, mais les choses nous parlent si nous savons entendre. Le marteau se leva dans la salle des ventes. Une fois puis deux fois, alors dans le silence, elle cria : je prends, je rachète tout ça. Ce que vous vendez là, c'est mon passé à moi. C'était trop tard déjà dans la salle des ventes. Le marteau retomba sur sa voix suppliante. Elle vit s'en aller parmi quelques brocantes le dernier souvenir de son amour d'antan. Près des paniers d'osier de la salle des ventes, une femme pleurait ses folles années 30 et revoyait soudain défiler son passé, défiler son passé, défiler son passé. Car venait de surgir du fond de sa mémoire, du fond de sa mémoire, un visage oublié, une image chérie du fond de sa mémoire, son seul amour de femme, son seul amour de femme. À garde, elle sortit de la salle des ventes, froissant quelques billets dedans ses mains tremblantes. Croissant quelques billets du bout de ses doigts nus, quelques billets froissés pour un passé perdu. À garde, elle sortit de la salle de vente. Je la vis s'éloigner, courbée et déchirante. De son amour d'antan, rien ne lui restait plus. Pas même se souvenir aujourd'hui.